La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le Père ici, où est passée ta foi? C'est où? Où est passé ton premier amour? Si ça ne donne pas, tu lèves les mains vers votre type. Si tu es fatigué, tu vois que la fatigue te prend pour nourrir ta maman et d'enfants, ta famille. Tu mets tes genoux au sol, tu lèves tes mains vers le ciel. La comparaison ne donne pas. Et lui, il accuse les Jésus familiers. Il croit que. Jamais les Jésus familiers. Il y a encore un grand-père. C'est qu'ils sont là, mais le plus gros travail, c'est lui-même. C'est l'état de ton cœur. Confie-toi. Et laisse-moi te dire que la famine là, les difficultés là que tu traverses, c'est la sentence de votre type. C'est une étape. Tu as compris? Oui. Oui, pasteur, je veux juste rendre gloire à Dieu. Dieu m'a beaucoup aimé. Des fois, il me dit les choses pas forcément passées par ici. Ça fait 2 semaines, le Seigneur m'a montré, il m'a parlé que tu m'as abandonné. L'amour là n'est plus là. Tu fais la chasse. Et quand j'ai compris, ça m'a dérangé. Et je me disais, j'ai dit ça à mes enfants là, que oui, je reconnais ce que Dieu m'approche. Et j'ai décidé de prendre 1 semaine pour revenir à lui. Mais j'ai compris à la fin que quand j'ai fait cette décision, ça ne venait pas du cœur. Et à la fin, je ne peux pas montrer cet engagement concret que j'ai, c'est-à-dire qui vient derrière cette 1 semaine que j'ai pris. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je décide et j'ai pris la décision et je demande au Seigneur de me pardonner et m'accompagner. Et par sa grâce, je vais me lever. Je suis déjà debout par sa grâce. Et de cette nuit-là, je ne veux plus dormir. Et j'ai constaté, je dors trop. Je dors. C'est ça, le sommeil. Je te dis que depuis là, ce n'est qu'aujourd'hui que tu es entré réellement dans cette église. Tu comprends? Quand il venait, son esprit restait à la maison. Ou bien au carrefour, ou bien ici au petit carrefour qui est ici. C'est sa coque qui est entrée. Tout ça à cause de quoi? De moi. Mm-hmm. Et du nobody. C'est ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21 +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.